pense que oui. Quand je vais faire ça, c'est quand même tendu. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier webinaire de l'Académie Tanguay. Je m'appelle Jean-Philippe Cathy. Je suis directeur du développement et des achats pour Ameublement Tanguay. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Inde Kadoury, représentante et barista pour la compagnie Edica. Bonjour Inde. Bonjour Jean-Philippe. Plaisir. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de vous présenter quelques modèles de machines à café de la compagnie Jura afin de mieux vous guider dans l'achat de votre future machine. Si vous avez des questions au courant de ce webinaire, je vous encourage à les garder pour la fin et à nous les poser. Il y aura une période pour répondre à celle-ci à la toute fin de la présentation. Aussi, je vous encourage à rester avec nous parce qu'on a une promotion exclusive à vous parler pour une durée limitée sur l'achat d'une machine Jura à la fin de cette présentation. Premièrement, pour faire un peu d'histoire, Jura et Ameublement Tanguay sont partenaires d'un peu plus de 8 ans. Dès le début de ce partenariat, ce fut un succès éminent. La marque Jura étant très appréciée de la part de nos consommateurs, c'est un succès qui est toujours présent, autant en magasin et sur tanguay.ca. Sans plus tarder, je laisse la parole à Inde pour qu'elle puisse nous parler de la marque Jura. Merci Jean-Philippe. Donc Jura, c'est l'entreprise suisse créée en 1931, installée dans le canton de Soleure, dans le nord-ouest du pays, au pied sud de la montagne emblématique Jura qui traverse deux pays, la France et la Suisse. Jura est reconnu pour la précision et la durabilité des appareils, l'excellence du produit final, donc le résultat en tasse, un espresso fabriqué dans les règles de l'art, la mousse de lait parfaite, reconnu aussi pour la facilité, le confort d'utilisation et d'entretien, le design sobre et intemporel, et en dernier et non le moindre, notre porte-parole, le tennisman suisse meilleur de tous les temps, Roger Federer. Quel meilleur ambassadeur pour la marque, avec la précision et la beauté de son geste, la grâce qu'il met dans son jeu, son prestige évidemment, et aussi vraiment sa poursuite de l'excellence. Super, merci. Puis parle-nous, pour qui sont faites ces machines? Donc Jura, nous, on importe ici avec la compagnie Edica depuis plus de 20 ans, et on a beaucoup de succès avec le consommateur de café à la maison, puisque Jura, c'est vraiment un appareil qui représente une station de café à la maison. Elle est capable de fabriquer toutes les boissons à base d'espresso, allongé, latte, cappuccino. Donc, on va profiter de cet appareil à la maison de par la facilité d'utilisation et d'entretien et la possibilité de programmer à son goût, à son image, chaque boisson. Donc, on fait vraiment un café comme on l'aime. Elle est faite aussi pour la personne, évidemment, qui choisit le côté durabilité pour pérenniser son investissement, la capacité de mettre le grain qu'on aime, encourager la torréfaction locale, puisque toutes les Juras sont munies d'un moulin espresso, donc on peut disposer le grain qu'on veut, donc on a la liberté et, de choisir le goût du café. Et puis aussi, évidemment, comme maintenant, vous savez comme moi, ça fait un petit peu de temps qu'on est pris à la maison, donc on va vraiment pouvoir réaliser des boissons digne du café-bar dans le confort de chez soi. Super, parfait. Puis, en termes de technologie, les avantages, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails au niveau des machines? Tout à fait. Donc, Jura, comme je disais, c'est des machines très durables, mais la marque est reconnue dans sa poursuite de l'excellence, dont ils veulent rester toujours vraiment à la fine pointe de la technologie. Donc, tous les matériaux à l'intérieur du Jura, c'est de très haute qualité. Ça fait que les moulins, par exemple, qui est un maillon très important de la production du café, sont très durables, produisent une mouture très fine et très homogène pour que notre café soit très goûtu et régulièrement de même goût. À l'intérieur de la machine, on va retrouver les dernières technologies Jura, comme l'extraction pulsée, la pompe à extraction pulsée, qui va donner à nos boissons à base d'espresso beaucoup de goût et une extraction plus forte. On va retrouver aussi les filtres smart, donc Jura propose des filtres à eau complets. C'est-à-dire que si on les utilise, on va débarrasser l'eau de goût ou d'odeur comme le chlore, mais surtout, on va débarrasser l'eau de tout élément de tartre ou de calcaire et simplement installer confortablement la cartouche dans la machine. Donc vraiment, toute l'expérience
de personnaliser la boisson, mais d'utiliser et de personnaliser la machine. On peut faire exactement qu'est-ce qu'on a envie. Pour la technologie aussi, j'aurais reconnu pour la micro-mousse brevetée. Donc, toutes les boissons lactées sont très onctueuses, très goûteuses. Elles sont aussi reconnues pour l'entretien automatisé. Donc, c'est très facile. La machine indique à l'écran quand il faut un entretien. On a simplement à disposer les détergents et dire OK. Et le cycle de nettoyage est complètement automatisé. OK. Parfait. Et puis, en termes de café qu'on peut se faire avec la machine, tout dépendamment des modèles qu'on achète à la maison, est-ce qu'un modèle de base, comme un gros modèle, va nous donner l'opportunité de se faire soit un allongé, un espresso, un latte, un cappuccino au niveau de la gamme? Est-ce que de l'entrée de gamme jusqu'à votre plus gros modèle, c'est toutes des options qui sont disponibles sur les machines? Tout à fait. En fait, on peut, comme tu disais tout à l'heure, dans le processus d'achat, selon les cafés qu'on veut faire à la maison, selon le nombre d'utilisateurs aussi, on peut choisir un modèle un peu plus compact avec des boissons, peut-être une dizaine de boissons différentes, comme on peut aller sur 15 à 17 boissons ou plus si on est plusieurs. Donc c'est sûr que les modèles sont tous auto-nettoyants de haute qualité, programmables comme on aime la boisson, mais les réservoirs, par exemple, comme tu regardes, tu vois sur la ENA8, c'est un modèle des plus compacts. Okay. Donc on va pouvoir réaliser, je vais montrer ici à l'écran, toutes les boissons, latte, cappuccino, il y a 10 boissons personnalisables, sauf que les contenants sont un petit peu plus petits. Donc si vous cherchez une machine compacte, un peu plus basse pour faire dans un comptoir un peu plus restreint, par exemple, à la maison, on peut profiter de la ENA8. Si on a un peu plus d'espace, on consomme un peu plus de boissons dans la journée, on est plusieurs à utiliser l'appareil, peut-être qu'on fait de plus grandes tasses, on va choisir un modèle comme la E8 ou la S8 avec des réservoirs un peu plus grands. Donc, on va retrouver 2 litres d'eau au lieu de 1,1 litre. On va retrouver un trémie de moulin jusqu'à 280 grammes au lieu de 120 grammes. Et comme ça aussi, dans la programmation de la machine, on va retrouver jusqu'à 17 boissons différentes qu'on peut programmer à notre goût. OK. Donc, si je comprends bien que le consommateur décide d'acheter un plus petit modèle ou encore là, un plus gros modèle, la qualité du café va toujours rester la même. Tout à fait. C'est simplement une question de contenance et puis d'options qui vont se rajouter au cours dans la gamme. Tout à fait. Peu importe le modèle qu'on choisit chez Jura, il n'y a pas de compromis sur la qualité de la boisson ou la qualité de l'espresso et de la mousse de lait. Par contre, si on est plusieurs, c'est sûr qu'on aimerait peut-être un modèle avec plusieurs boissons. Tu remarqueras tout à l'heure sur la S8, ouais, comme on peut en plus dupliquer les boissons, on peut avoir plusieurs lattés avec plusieurs différentes recettes. J'ai mis ton nom sur le deuxième latté, okay, avec ta recette. Avec la machine à voilà, elle est déjà programmée pour toi. Okay. Donc c'est sûr aussi, tout à l'heure, je parlais de la durabilité des machines Jura. Donc c'est sûr que comme c'est facile et très bon à la maison, tout le monde à la maison, toute la famille peut en profiter. Et comme c'est très durable, si nos goûts changent, si on utilise d'autres cafés, d'autres membres de la famille grandissent, consomment du café, c'est sûr qu'avec plus de programmation, chaque personne prend une boisson, la personnalise et ça va être sa recette. Vous me semblez aussi avoir une gamme d'accessoires là, qui sont compatibles avec les appareils. Est-ce que tous les accessoires que vous avez sont compatibles avec toutes les machines, certains d'autres non? Je vois ici sur la table, là, il semble avoir un contenant pour le lait. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Tout à fait. Donc, la Jura, dans le fond, quand on achète l'appareil, il est déjà prêt à être utilisé. On met son grain de café et son eau. Okay. Il n'y a besoin de rien ajouter. C'est sûr que pour le confort de l'utilisation à la longue, on peut, au lieu d'utiliser le tuyau directement dans le carton de lait ou un contenant à la maison, on peut ajouter comme ça un contenant en verre qu'on va disposer dans le frigo, excusez le bon mot, et on le sortir au besoin, faire les boissons et le remettre au froid. Okay. Si on a envie d'utiliser la machine plusieurs fois par jour, de ne pas gérer le lait, on ne risque pas de l'oublier sur le comptoir qu'il change de température. Nous avons les Cool Control qui sont des refroidisseurs à lait. Oh, okay. On a différentes grandeurs, 600 ml, 1 litre jusqu'à 2,5 litres dans les plus grands. Et comme ça, on peut l'ajouter à côté. Et il est prêt à l'emploi. Mais le lait est refroidi à la parfaite température, qui est 4 degrés Celsius. Donc, okay, le lait ne se sépare pas, il ne change pas de température, et de la première à la dernière goutte, il va mousser très bien. OK, parfait. Puis dis-moi au bout ce qu'on voit.
ça doit être pour mettre les tasses, c'est ça? Donc ça, en fait, c'est un de mes accessoires préférés. C'est un chauffe-tasse. Donc le chauffe-tasse, on peut y disposer les différentes grandeurs de tasse. Et puis quand on va prendre pour utiliser l'appareil et mettre sa boisson, les tasses sont préchauffées à 55 degrés Celsius. Donc c'est la température idéale pour préchauffer la tasse. Quand on va mettre la boisson lactée ou l'espresso ou l'allongée ou quoi que ce soit, elle ne va pas nous voler de la température. Moi, j'aime faire ça comme, par exemple, je prends l'exemple du café-bar. Sur les machines commerciales qui sont allumées jour et nuit, nos tasses, notre vaisselle, elle est préchauffée. Parce que l'espresso, pour être très goûtu, on ne peut pas utiliser une température aussi élevée que le café filtre, par exemple, qui est presque bouilli. Donc, c'est sûr que si on a une vaisselle qui est froide, elle va venir nous voler un peu de température et la boisson ne restera pas à la température de dégustation idéale. C'est sûr que, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir des accessoires à côté. Si vous n'avez pas de chauffe-tasse, on peut préchauffer la tasse avec un peu d'eau chaude de l'appareil ou au lavabo. Okay. Ou si les tasses Jura en porcelaine sont double paroi, donc même si elles ne sont pas préchauffées, elles vont voler un peu moins de température. Mais si vous avez d'autres tasses double paroi à la maison, ça fonctionne très bien aussi. OK, parfait. Écoute, moi, j'aime beaucoup le café, Yann, puis je trouve ça très intéressant, la conversation qu'on a en ce moment. Au niveau des boissons lattées, est-ce qu'avec un accessoire comme ça, il y a possibilité d'utiliser différents types de lait? Je sais qu'il y a des gens maintenant qui utilisent du lait de soya, du lait d'avoine, du lait 1%, du lait écrémé. Tout à fait. Est-ce que cet accessoire-là va faire aussi bien le travail, tout dépendamment de ce qui est utilisé? Exactement. En fait, il n'y a aucune différence. L'important, c'est que la boisson végétale puisse mousser. Il faut savoir que les laits d'avoine, les laits d'amande, etc., normal, il y a beaucoup d'eau dedans. Et la protéine végétale, elle est assez petite. Donc, ce n'est pas des laits qui moussent naturellement très bien. Okay. Donc, choisissez un lait végétal où il y a la mention barista ou peut-être il y a un dessin de latte art. Cela veut dire qu'on a retiré un petit peu d'eau pour concentrer les protéines. On a peut-être ajouté un petit peu de sel ou d'épaississant comme des huiles naturelles afin d'aider les protéines à se coller. Et à ce moment-là, il mousse très, très bien. J'ai disposé dans le cool control du lait de vache et dans notre petit contenant ici, du lait d'avoine. Et donc, comme il a la bonne formule, il va mousser très, très bien. On pourra faire le test tout à l'heure. OK, parfait. Puis dis-moi, comme en tant que formation que tu possèdes comme barista, en termes de café qu'on utilise à l'intérieur des machines, je sais que, bien entendu, Indica est torréfacteur avec la marque de café Touché. Là, on voit ici différents exemples de produits dont vous êtes torréfacteur. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un café spécial à utiliser à l'intérieur des machines, une recommandation qui est à faire, point de vue café? En fait, il faut savoir que c'est sûr que nous, Indica, avec le café Touché, on voulait venir un petit peu répondre à ces questions, offrir un bon choix aux consommateurs à la maison. On torréfie du café bioéquitable, de l'arabica pure, selon plusieurs recettes. On a du plus intense au plus doux. Sauf qu'il faut savoir, on peut utiliser n'importe quel café on veut. C'est des vrais moulins à espresso avec des vrais meules. L'important, c'est de respecter un petit peu la torréfaction. C'est sûr qu'il y a des cafés qui sont à l'extrême de la torréfaction, donc très, très, très noirs ou très, très, très bruns, vont être un petit peu plus difficiles à gérer à la langue. On prend l'exemple souvent du café gras, du café noir. S'il est très, très noir, si c'est une torréfaction très avancée, très chaude, ça va faire que le café dans le torréfacteur, lors de la cuisson, va gonfler beaucoup. Ça va devenir très mou. Donc, c'est sûr, ajouter à cela, quand on torréfie longtemps et un peu plus chaud, le café devient un peu huileux, puisque la structure ouverte laisse migrer un petit peu les huiles à l'extérieur du grain. C'est sûr que quand on vient moudre ces grains dans une mouture espresso qui est très fine, ça va faire un petit peu, ça a tendance à faire des pâtes. Donc, à la longue, ça peut venir boucher nos moulins, bloquer un petit peu. N'importe quel moulin, on va avoir un petit peu le même souci. Donc, si on cherche des cafés très goûtus, intense, caramélisé, on aime ce côté un petit peu huileux du café. Peut-être un choix vraiment judicieux comme on a fait avec le café 1967. C'est notre recette la plus populaire. Je vais vous montrer. Il est quand même assez gras. On voit bien qu'il est vraiment huileux. Par contre, comme c'est du café de qualité et nous choisissons des cafés élevés en très haute altitude, ça fait que malgré la torréfaction avancée et le côté gras qui en est ressorti, quand on essaye d'écraser le grain, il a beaucoup d'intégrité, il a beaucoup de fibres. Cela indique que quand vous allez le moudre, malgré que c'est une mouture très fine,
bien, bien fine, il n'aura pas tendance à faire de la pâte. On en vend depuis super longtemps, plus d'une quinzaine d'années maintenant, dans tous nos points, presque tous nos points de vente, et on n'a jamais de soucis. Donc, si vous avez un doute sur votre café qui a l'air un peu huileux, un peu noir, essayez d'écraser des grains sur une surface. Il faut vraiment qu'il ait... Je fais pas vraiment, je force beaucoup, et on voit bien qu'il ne cède pas. Donc ça, ça veut dire que quand je vais le moudre fin, il va rester bien poudreux et tomber sans bloquer dans le moulin. On parlait aussi de l'autre extrême, donc les cafés très, très, très peu torréfiés qui ont l'air très, très pâles. Si vous faites le même test et qu'ils sont encore plus durs, ça voudra dire que c'est des cafés très durs qui ne vont pas donner leur goût facilement. Sur Jura, vous pouvez mettre bien sûr le moulin plus fin ou moins fin selon le café que vous utilisez. Pour des cafés un peu plus huileux, on va moudre un petit peu moins fin pour les aider à extraire sans trop brûler. Pour des cafés très bruns, très durs, très pâles, on va mettre un petit peu plus fin pour les pulvériser et exposer un peu plus de surface pour que l'eau puisse en sortir plus de goût. Ils vont être plus balancés. Et sur Jura aussi, comme c'est des machines vraiment spécialisées dans l'extraction du café, on peut modifier la température de l'eau d'infusion aussi selon nos grains. Pour des cafés noirs, on disait qu'ils aiment mieux être moulus un peu plus grands, un peu moins fins, pour donner un meilleur goût, un côté plus crémeux. Et on va rentrer dans la boisson et on va mettre la température un peu plus basse. Parce que ces cafés-là goûteront meilleur comme ça. Si vous avez à l'inverse un café très pâle, très dur, qui ne donne pas beaucoup de goût facilement, on va le pulvériser un peu plus fin et on va augmenter la température pour le forcer à donner non seulement son côté acidulé vif, mais aussi des huiles et des sucres pour balancer le goût. Oui. Mais vous avez totalement le choix du café que vous aimez. Il n'y a aucune restriction réelle. Puis dis-moi, étant donné que c'est des machines qui sont très complètes, est-ce que tu peux nous démystifier la différence entre les types de boissons qu'on fait? Un espresso, un allongé, un cappuccino, un latte. Des fois, c'est bien d'être capable de comprendre c'est quoi la différence entre un latte et un cappuccino, alors que les deux sont des boissons à base de lait, pour être capable d'utiliser pleinement les choix que la machine offre? Tout à fait, c'est une excellente question. Pour les gens qui se posent cette même question, donc toutes les boissons fabriquées par la machine Jura sont à base d'espresso. Donc on commence avec une base d'espresso. Pour le cappuccino, l'espresso macchiato, le flat white, c'est des boissons qu'on considère en général assez costaudes, assez corsées. Donc on va avoir un peu plus d'intensité dans la programmation, un peu moins d'eau pour garder le côté concentré de la base espresso, et on va y ajouter une petite quantité de mousse de lait, de lait micro-mousse. Donc, dans les cappuccinos, on va avoir, par exemple, un café plus concentré que dans le latte, et même la quantité de lait va être moindre que dans la boisson lactée. Okay. Voilà. Toutes les autres boissons à base d'espresso, on peut réaliser un americano, un allongé. Donc, l'americano, la machine, la nouvelle E8, va faire la base espresso, et elle va ajouter de l'eau. Mais comme c'est des machines programmables à son goût, elles viennent avec des recettes par défaut pour les gens qui ne sont pas trop sûrs, qui veulent vraiment explorer, goûter, voir qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et si on sait déjà qu'est-ce qu'on aime ou la grandeur de nos tasses, on peut aussi, bien sûr, à n'importe quel moment, rentrer, changer la recette. Donc, dans votre Americano, par exemple, vous pouvez dire « je veux telle intensité, telle quantité de café et telle quantité d'eau dérivée ». Ça s'adresse autant à l'expert qu'au débutant. C'est vraiment ce qu'on aime de Jura parce qu'elles répondent à ces deux besoins. Et aussi, j'aime dire que comme les machines sont très durables, elles vont évoluer avec nous aussi. Donc si au début, on n'est pas très sûr des recettes, des boissons, on peut explorer pendant quelques semaines. Mais après, quand on va développer son café préféré, sa recette préférée, on peut modifier, on peut revenir plus tard, rechanger comment la machine fonctionne, comment le café se fait. Vraiment, c'est très, très, très ergonomique. Donc, c'est des machines avec beaucoup de technologie. Oui, elles ont beaucoup de technologie. C'est très précis, c'est très goûtu. Mais si on n'est pas au courant ou on n'est pas à l'aise à changer toutes les choses, la machine vient préprogrammée. On a juste besoin de déballer la boîte, mettre la langue dans laquelle on préfère qu'elle nous parle, mettre les grains et l'eau et commencer à déguster les boissons. Et voilà. Ça semble se faire en différentes couleurs aussi, là, de ce que je vois. On n'a pas toute la sélection, bien entendu, avec nous. Oui. Mais on a une si rouge, oui. On a du chrome, on a du... Tout à fait. Comme tu disais au début, en fait, aujourd'hui, on a présenté les trois modèles les plus populaires, ceux-là qu'on vend le plus ici dans notre territoire au Québec. La NA8 se décline en quatre finis. On a
Sunset Red, donc le rouge, le Metropolitan Black, Nordic White en blanc, et on a aussi la ligne signature qui est faite en fine feuille d'aluminium de 3 mm anodisée, donc coupée au laser. On a la E8 qui est très populaire, on finit chrome comme ça, ou en piano black, piano noir, et la même chose pour la S8, donc en chrome et en piano black. Merci, super intéressant. Ça démystifie beaucoup la technologie derrière les machines, l'utilisation, les différences. On pourrait en parler encore bien longtemps. Maintenant, je vais aller voir au niveau de la période de questions, savoir nos auditeurs en ligne, quelles questions qui ont été posées. Alors, on en a une ici qui pose une question au niveau de la garantie. Dis-moi, quel type de garantie offre les machines Jura? Donc, les machines Jura sont garanties partout dans le monde et ici, bien sûr, au Canada, au Québec, pendant 2 ans, pièce et main d'œuvre. Nous avons maintenant vraiment un très, très bon historique avec la marque depuis plus de 20 ans. Donc, les machines sont très durables. La marque informe que les machines doivent travailler au moins 10 ans. Mais nous, par expérience, on voit vraiment que les machines sont encore durables au-delà de ça, jusqu'à 15, 16 ans sans souci. Okay. Voilà. Est-ce que le type d'eau qu'on a à utiliser à l'intérieur de la machine, est-ce que on doit utiliser de l'eau de source, de l'eau du robinet? Comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là? Excellente question. En fait, l'eau contribue à environ 98% du résultat final. Donc, sa constitution, son odeur, son goût sont très importants dans le goût de la boisson qu'on va déguster. Donc, c'est sûr que, tout d'abord, éviter d'utiliser de l'eau distillée. L'eau distillée ne contient aucun minéral. Elle est moins bonne pour l'infusion du café. Elle va toujours sortir un côté un peu plus terreux, un peu plus étouffé. Vous allez me dire, par exemple, j'utilise plusieurs cafés différents, je ne vois pas que ça goûte différemment, mon café n'est pas très aromatique. Évitons d'utiliser aussi l'eau qui a peut-être une odeur ou un goût. Des fois, ici au Québec, on a certaines places où ça goûte un petit peu le soufre, ça sent un peu le soufre, et qu'il y a des métaux lourds ou quoi que ce soit. Dans le doute, utilisez la cartouche filtrante du Jura. Comme c'est un filtre complet, elle va venir nous débarrasser de goût, odeur, comme le chlore. Nous, à Montréal, on a beaucoup de chlore des fois l'été, l'odeur de soufre, quoi que ce soit. Mais son échangeur d'ions va venir vous débarrasser de tout le minéral extra, donc tout ce qui va causer du calcaire, du tartre dans la machine va rester pris, emprisonné dans le filtre. Et en échange, il va nous donner des ions de magnésium, qui est très, très bon pour notre santé et qui est excellent pour l'infusion du café. OK. Voilà. On a ici, un instant, j'en ai une autre qui rentre. Dis-moi, ici, OK, on a Marc qui nous écrit, au niveau de l'entretien des machines, le filtre est pour l'eau, bien entendu. Est-ce qu'on doit utiliser un autre produit pour ce qui est de l'entretien de la machine quand vient le temps de faire des cafés qui sont à base de lait ou de boissons végétales? Tout à fait. Donc, pour n'importe quelle machine à café à la maison, on va avoir 3 entretiens en général à faire. On va avoir une solution pour le calcaire, comme on vient de citer les cartouches filtrantes de Jura, mais bien sûr, on laisse le choix au client. Soit vous mettez les cartouches filtrantes, soit vous faites les détartrages, comme tous les autres appareils du monde. Le détartrage, le mode détartrage va laisser le calcaire rentrer dans l'appareil. Quand c'est dû, il va vous dire « Coucou, j'aimerais un détartrage », donc on met la solution détartrante dans l'eau. Si on met le filtre et qu'on le change régulièrement quand la machine nous l'indique, nous n'avons pas besoin du tout de faire de détartrage parce que les filtres Jura sont parfaitement complets. Ils ne laissent aucun calcaire rentrer qui va sédimenter à l'intérieur de la machine. Donc, on a le choix. Okay. Deuxième entretien, c'est le nettoyage. Le nettoyage n'a pas rapport avec le calcaire, il a rapport avec la fibre de café, les huiles de café. Une fois moulu, ça va tomber dans ce qu'on appelle le groupe à café qui va venir presser le café, infuser avec l'eau chaude, s'ouvrir et jeter le café dans le bac à marc ici. Donc, toutes les fois que vous faites 180 tasses ou plus, la machine va vous indiquer à l'écran de faire un nettoyage. Il suffit de choisir le moment que vous n'avez pas besoin de la machine. Par exemple, moi, j'aime bien le lancer quand je veux aller travailler, faire mes courses. On dépose la petite pastille à l'intérieur et on dit go. Donc, ça va venir débarrasser l'engrenage complètement de toutes les traces de café, de fibres ou d'huile. Et non seulement ça, Jura, c'est le seul sur le marché à offrir pour les machines automatiques domestiques et commercial, un produit combiné. Dans le détartrant et dans le nettoyant, on ajoute aussi la graisse alimentaire pour lubrifier le groupe. Okay.
Donc, moi, en tant qu'usager, c'est super simple. J'ai vu le message, je dépose ma pastille, je lance mon cycle de nettoyage ou de détartrage. Le cycle se termine parfaitement et la machine est lubrifiée à nouveau. Donc, c'est pour ça que même quand les machines sont très durables, la qualité de la boisson, la qualité du confort sonore ne change pas à travers les années. Dernier nettoyage qui, lui, va être quotidien, c'est le nettoyage du système de lait. Quand nous utilisons une boisson lactée ou plus, comme tu sais, tout à l'heure, on parlait des qualités de lait, il y a de la bactérie vivante, il y a du sucre, du gras dans le lait. Donc, la machine a un cycle automatique de nettoyage. J'ai fait exprès, tout à l'heure, on avait fait un petit café et la machine m'a demandé nettoyage du système de lait. Elle m'attend gentiment. Si j'ai d'autres boissons dans la journée, je vais les terminer. Et une fois le soir, on va lancer un nettoyage. On peut le faire tout à l'heure pour illustrer le cycle. Et comme ça, on va débarrasser notre mousseur à chaque jour de la protéine de lait, de l'odeur de lait. Si jamais on l'oublie, ce qui peut arriver avec la vie, les choses qui nous arrivent le matin. Donc si vous voyez que votre mousseur mousse un petit peu moins bien ou il crachote, on a toujours, toujours la possibilité sur toutes les Juras d'ouvrir très simplement et de sortir carrément le mousseur. C'est cela ici. Donc le lait n'a aucune possibilité de traverser à l'intérieur des Juras. Donc si on l'oublie, parce que ça peut arriver, comme c'est un produit vivant, ça sèche, ça peut changer de texture, on peut tout ouvrir. Et donc une ou deux fois par semaine, on peut disposer le produit de nettoyage et faire un petit bain de quelques minutes et le laisser tremper et rincer. Donc, voilà. Si je comprends bien, tu as déjà préprogrammé ma machine et tu l'as déjà fait prêt pour le nettoyage. C'est bien gentil de ta part. Ouais. J'en ai une autre qui vient juste de rentrer. De la part de Sarah qui demande, elle, dans le cas de l'utilisation de la machine, elle a déjà du café à l'intérieur puis elle reçoit un ami qui boit uniquement du café décaféiné. Est-ce qu'il y a certaines machines qui sont faites pour recevoir du café qui est déjà moulu alors qu'on a déjà du café en grain qui est installé à l'intérieur de la machine? Tout à fait. Parce qu'on veut vraiment laisser un deuxième choix. Si vous utilisez votre café le plus populaire de tous les jours, vous laissez dans le moulin. Et pour les cafés qu'on utilise de temps en temps, on peut les comme un décaféiné, on peut les choisir moulu et vous le disposez ici, là-dedans, sur les trois modèles qu'on présente aujourd'hui. Donc on a une place pour mettre du prémoulu. La machine va détecter que je veux déposer une mouture. Donc elle va vérifier et là les machines vont me dire, bah, comme on n'a rien mis, trop peu de café, elles vont juste tester et ressortir du mode. Mais si j'avais déposé une cuillère de café moulu sur les N1 ou jusqu'à deux cuillères sur la E8 et la S8. Et après, on peut sélectionner la boisson qu'on veut. Est-ce que c'est un décaf latté, un décaf allongé, comme tu veux. Ou une deuxième sorte de café plus costaud, plus léger. OK, parfait. On a beaucoup de questions qui rentrent au niveau de l'entretien. Les gens trouvent belles les machines. Franchement, on a beaucoup d'interactions très, très agréables avec la marque Jura. Dis-moi, il y a quelqu'un qui nous demande ici au niveau des produits que tu as amenés ici à l'arrière d'entretien. Je ne sais pas si tu peux nous en parler rapidement. Je vois qu'il y a un ensemble qui semble être tout préconçu avec les différents produits qu'on a de besoin et d'autres qui sont séparés. Tout à fait. En fait, on peut bien sûr choisir les produits d'entretien et les kits différents selon son utilisation. Plus on fait de café, comme là on est à la maison un peu plus longtemps et tout ça, on boit un peu plus de café, on peut profiter des paquets qu'on appelle économiques. Donc tous les produits se déclinent en petits paquets pour la personne qui fait un café ou deux ou trois par jour. Mais si on a un peu plus de consommation, on veut les acheter en paquet économique et les laisser à la maison pour être prêt. Donc, vous avez le nettoyant à lait qui se décline en bouteille d'un litre et de un quart de litre. On a le détartrant pour trois nettoyages ou plusieurs. On a aussi des boîtes de 36 pastilles. Les filtres à eau, on a aussi des paquets économiques de trois. Et ici, c'est un de mes préférés qui a un petit peu tout. C'est vraiment le kit, le care kit, qui a trois filtres. La bouteille de nettoyant, 6 pastilles de nettoyage, 10 tuyaux extra. Voilà. Et donc, les pastilles de nettoyage, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, comme vous achetez aussi l'appareil Jura, vous avez un kit de bienvenue qui vient avec. Donc, on a deux pastilles de nettoyage, on est bon pour 400 cafés ou plus. On a le filtre à eau fourni aussi. Je vais vous le montrer ici, comment c'est très, très simple et rapide. Donc, pour l'installation ou le changement du filtre, quand la machine vous l'indique à l'écran, c'est vraiment aussi simple que de retirer l'ancienne cartouche, sortir la nouvelle cartouche du sac, mettre le porte-filtre,
Je vais le retourner, comme ça vous allez voir de l'autre côté qui n'est pas gaufré. Donc on a la valve d'eau qui va alimenter la machine. On dispose le filtre et on le stickerise. La machine va savoir, grâce à la petite chip RFD, la chip radio qui est dans le filtre, elle va savoir qu'on a disposé... Pardon, je suis... Hop. Voilà. Et voilà. Et elle va savoir qu'on a mis un nouveau filtre. Super, merci. On en a une qui rentre d'Éric Pelletier. Quelle est la température? Est-ce que la température d'infusion du café va changer la température du produit final ou bien le tout est rebalancé une fois le café infusé? Excellente question. Donc, tous les cafés que la machine produit vont être très chauds. Ils vont se situer entre 60 et 70 degrés. C'est sûr que l'espresso, les boissons courtes, ne sont jamais très chaudes. Parce que pendant les premiers 20-30 secondes d'infusion, c'est vraiment les huiles qui vont absorber la chaleur et se dissoudre et venir dans la tasse. Elles sont plutôt tièdes. Plus vous faites un allongé, plus vous allez avoir une boisson plus chaude. Parce que les huiles sont tombées, le café, on va dire qu'il était lavé, et la prochaine eau, oui, va continuer à sortir du goût, mais comme le café a donné la plupart de ses huiles, la température est mieux transférée dans le liquide. Donc si vous aimez votre café un petit peu plus chaud à la dégustation, n'hésitez pas à faire un petit allongé. N'oublions pas que les moulins Jura sont très efficaces. La mouture est quand même très fine. N'ayez pas peur d'allonger un petit peu le café, il ne goûtera pas nécessairement l'eau. Si votre mélange est bien goûtu, il n'y a aucun souci. Okay. Voilà. La température d'infusion basse, normale et chaude, sur les trois appareils ici, on a trois températures qui respectent toujours les températures d'infusion de l'espresso. Parce qu'on veut vraiment que le café s'infuse dans les meilleures conditions. Mais comme on disait tout à l'heure, un café plus brun ne donne pas de goût balancé facilement. On est obligé de mettre un petit peu plus chaud. Et un café noir a tendance un petit peu à brûler puisque ces huiles sont déjà disponibles et on va baisser la température. Un dernier conseil, si votre eau ici, quand vous faites un allongé, n'est pas très chaude, en général, il y a, disons, trois raisons. Soit on a oublié de réchauffer la vaisselle, donc ça nous a volé jusqu'à 10-15 degrés de dégustation. Mais si vous faites le test avec une tasse préchauffée, juste pour voir la qualité de la température qui sort, soit vous avez du calcaire dans les éléments chauffants. Peut-être on a négligé un petit peu de faire les détartrages depuis longtemps. Donc faites un bon détartrage pour débarrasser l'élément chauffant de son calcaire. L'eau qui rentre à l'intérieur pour l'infusion va être choquée à la bonne température à 100% et on va revenir à la température initiale de l'appareil. Troisième raison, c'est que des fois, si on fait par erreur une mouture trop fine sur des cafés très riches, très huileux ou peut-être une torréfaction un peu avancée, c'est des cafés qui sont... Tout à l'heure, on disait qu'ils avaient gonflé lors de la cuisson, ils sont très absorbants parce qu'ils sont ouverts. Ils vont toujours avoir tendance à garder l'eau chaude un petit peu plus longtemps. Ils vont vous voler. Donc, vous pouvez mettre un tout petit peu plus grand. Pour ces cafés-là, vous n'allez pas avoir un café à queue si vous mettez la mouture plus grande, même que c'est l'inverse. On va avoir un café plus crémeux et plus goûtu. Vraiment très intéressant. Ou sinon, vous m'appelez. Pour terminer notre premier live de l'Académie Tanguay et Inde, on a fabriqué une promotion exclusive pour la célébration de notre premier live qu'on faisait ici avec toi aujourd'hui. Alors, à partir d'aujourd'hui, et ça jusqu'au 6 juin, à l'achat d'une n'importe quelle machine Jura, vous obtiendrez un crédit café d'une valeur de 200 $ qui correspond à un approvisionnement de café de la marque Touché, qui est le micro-torréfacteur, soit le 1967 ou encore là, le café Ricardo, qui vous donne un approvisionnement d'équivalent d'un an de café à l'achat de n'importe quelle machine Jura. Donc, la promotion est valide à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 juin sur tanguay.ca ou encore là en magasin. Cette promotion-là, elle rentre aussi en ligne de compte de la vente du million qui se termine le 6 juin. Donc, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable et potentiellement gagner le million en s'achetant une cafetière Jura. C'est pas triste. Alors, on te remercie beaucoup pour ton temps, toutes les super explications, démystifier la marque Jura, vos machines. Merci. Et puis, on te remercie beaucoup. Merci, merci Jean-Philippe. Merci à tout le monde. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas de nous les envoyer. On va vous répondre avec plaisir. Merci beaucoup.